Lorsque vous aviez 15 ans, vous pouviez imaginer que vous deviendriez ce Sartre dont tout le monde parle, que l'on aime, que l'on déteste, qui n'est jamais inintéressant. Je ne pouvais pas imaginer que je deviendrais ce que je suis, parce qu'on ne l'imagine jamais. Mais quant à me donner une très belle réussite d'écrivain, comptez que le garçon de 15 ans y pensait. Mais seulement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et finalement, ça voulait dire autre chose que ce que ça veut dire maintenant. Ça peut pas faire de mal. C'était de l'ambition ou c'était simplement une... Non, c'était pas d'ambition, c'était pas moi que ça regardait. C'était les choses que je faisais, que je voulais qu'ils soient reconnus. Dès ce moment, d'ailleurs, je ne concevais pas qu'on puisse écrire pour une élite. Je pensais qu'on devait écrire pour tous, d'une manière ou d'une autre. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. J'ai commencé ma vie comme je la finirais sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais. Ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père maniait ces objets avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en 2 enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Ce garçon qui tente de déchiffrer les livres sans y parvenir s'appelle Jean-Paul Sartre. Dans Les mots, il raconte son enfance et revient sur la grande découverte de sa vie, la littérature. Ni mémoire, ni autobiographie, les mots sont pour Sartre une espèce de roman, le récit inclassable d'une passion résumée en 2 mots, d'abord lire, puis écrire. Publié en 1964, le livre précède de peu l'affaire du prix Nobel. Sartre, désigné par l'Académie suédoise, avait eu l'audace de refuser cette prestigieuse distinction littéraire et l'importante somme d'argent qui allait avec. L'écrivain avait expliqué à l'époque ne pas vouloir devenir une institution. À 59 ans, il préfère revenir à l'essence même de son métier. Après la nausée, l'être et le néant, ou encore les mains sales, Sartre se lance dans un exercice difficile, la peinture de soi. Pourquoi écrit-il? Comment est-il devenu écrivain? On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, responsable de la liberté humaine. Tout se joue évidemment dans l'enfance. Avec beaucoup d'ironie et sans aucune amertume, il se raconte depuis sa naissance jusqu'à ses 11 ans, entouré d'amour et d'interrogations. Tour à tour solitaire, curieux, artiste, capricieux, Sartre, surnommé Poulou par sa famille, remet les mots au centre de sa vie. Ce soir, je vous propose d'ouvrir ce très beau livre et de découvrir comment naît une vocation. Le petit Jean-Paul naît le 21 juin 1905. Son père, Jean-Baptiste Sartre, est officier de marine et sa mère, Anne-Marie Schweitzer, la fille sage d'un bourgeois, professeur d'allemand. Enfant unique, Sartre a 2 ans lorsque son père meurt brutalement d'une fièvre intestinale, laissant sa famille sans argent. Le garçon et sa mère partent donc s'installer chez les grands-parents Schweitzer. Sans souvenir de son géniteur, Sartre s'est très tôt interrogé sur ce fantôme dont l'absence lui permit, paradoxalement, de devenir lui-même. Extrait de la première partie du livre, Lire. Il n'y a pas de bon père, c'est la règle.
qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Faire des enfants, rien de mieux. En avoir, quelle iniquité. Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m'eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge. Au milieu des aînés qui portent sur le dos leur enquise, je passe d'une rive à l'autre, seul et détestant ces géniteurs invisibles à cheval sur leur fils pour toute la vie. J'ai laissé derrière moi un jeune mort qui n'eut pas le temps d'être mon père et pourrait être aujourd'hui mon fils. Fût-ce un mal ou un bien, je ne sais pas. Mais je souscris volontiers au verdict d'un éminent psychanalyste, je n'ai pas de surmoi. Ce n'est pas tout de mourir, il faut mourir à temps. Plus tard, je me fusse senti coupable. Un orphelin conscient se donne tort. Offusqué par sa vue, ses parents se sont retirés dans leur appartement du ciel. Moi, j'étais ravi. Ma triste condition imposait le respect, fondait mon importance. Je comptais mon deuil au nombre de mes vertus. Mon père avait eu la galanterie de mourir à ses torts. Ma grand-mère répétait qu'il s'était dérobé à ses devoirs. Mon grand-père, justement fier de la longévité Schweitzer, n'admettait pas qu'on disparût à 30 ans. À la lumière de son décès suspect, il en vint à douter que son gendre eût jamais existé, et pour finir, l'oublia. Je n'eus même pas à l'oublier. En filant à l'anglaise, Jean-Baptiste m'avait refusé le plaisir de faire sa connaissance. Aujourd'hui encore, je m'étonne du peu que je sais sur lui. Il a aimé pourtant, il a voulu vivre, il s'est vu mourir. Cela suffit pour faire tout un homme. Mais de cet homme-là, personne dans ma famille n'a su me rendre curieux. Pendant plusieurs années, j'ai pu voir au-dessus de mon lit le portrait d'un petit officier aux yeux candides, au crâne rond et dégarni, avec de fortes moustaches. Quand ma mère s'est remariée, le portrait a disparu. Plus tard, j'ai hérité de livres qui lui avaient appartenu, un ouvrage de Le Dantec sur l'avenir de la science, un autre de Weber intitulé « Vers le positivisme par l'idéalisme absolu ». Il avait de mauvaises lectures comme tous ses contemporains. Dans les marges, j'ai découvert des griffonnages indéchiffrables, signe mort d'une petite illumination qui fut vivante et dansante aux environs de ma naissance. J'ai vendu les livres. Ce défunt me concernait si peu. Je le connais par ouï-dire, comme le masque de fer ou le chevalier d'Éon, et ce que je sais de lui ne se rapporte jamais à moi. S'il m'a aimé, s'il m'a pris dans ses bras, s'il a tourné vers son fils ses yeux clairs, aujourd'hui mangés, personne n'en a gardé mémoire. Ce sont des peines d'amour perdues. Ce père n'est même pas une ombre, pas même un regard. Nous avons pesé quelque temps, lui et moi, sur la même terre, voilà tout. Plus que le fils d'un mort, on m'a fait entendre que j'étais l'enfant du miracle. De là vient sans aucun doute mon incroyable légèreté. Je ne suis pas un chef, ni aspire à le devenir. Commander et obéir, c'est tout un. Le plus autoritaire commande au nom d'un autre, d'un parasite sacré, son père, et transmet les abstraites violentes qu'il subit. De ma vie, je n'ai donné d'ordre sans rire, sans faire rire. C'est que je ne suis pas rongé par le chancre du pouvoir, on ne m'a pas appris l'obéissance. Ce père, Jean-Paul Sartre, vous a-t-il manqué ? C'est difficile à dire. Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier que un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses que le père a déjà hérité des autres et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui m'a sans doute donné mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi dans la chambre de ma mère. Et c'est tout. Dans la famille, c'est le grand-père Charles qui joue le rôle du père. Professeur d'allemand, grand lecteur et bibliophile, Charles donne le goût des livres à son petit-fils. Sartre découvre avec joie les plaisirs de la lecture et adore qu'on lui raconte des histoires. À travers elles, il peut vivre par procuration des aventures incroyables et se glisser dans la peau des héros de papier. Je ne savais pas encore lire, mais j'étais assez snob pour exiger d'avoir mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d'éditeur et se fit donner les contes du poète Maurice Bouchor, récits tirés du folklore et mis au goût de l'enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d'enfant. Je voulus commencer sur l'heure les cérémonies d'appropriation. Je pris les deux petits volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment
à la bonne page en les faisant craquer. En vain, je n'avais pas le sentiment de les posséder. J'essayais sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les genoux de ma mère. Elle leva les yeux de son ouvrage. « Que veux-tu que je te lise, mon chéri ? Les fées ?» Je demandai incrédule. « Les fées, c'est là-dedans ?» Cette histoire m'était familière. Ma mère me la racontait souvent quand elle me débarbouillait, en s'interrompant pour me frictionner. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance. L'histoire, ça venait par-dessus le marché. C'était le lien de ses soliloques. Tout le temps qu'elle parlait, nous étions seuls et clandestins, loin des hommes, des dieux et des prêtres. Deux biches au bois, avec ses autres biches, les fées. Je n'arrivais pas à croire qu'on eût composé tout un livre pour y faire figurer cet épisode de notre vie profane qui sentait le savon et l'eau de Cologne. Puis je devins jaloux de ma mère et résolus de lui prendre son rôle. Je m'emparai d'un ouvrage intitulé « Tribulation d'un Chinois en Chine » et je l'emportai dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un liquage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontais une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes. On me surprit. On se récria. On décida qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène. J'allais jusqu'à me donner des leçons particulières. Je grimpais sur mon liquage avec 100 familles d'Hector Malot, que je connaissais par cœur, et moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages, l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lire. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers, ces voix que mon grand-père ranimait de son regard, qu'il entendait, que je n'entendais pas. Je les écouterais, je m'emplirais de discours cérémonieux, je saurais tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. C'est ce qui m'a fait. When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing, will I be with you or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Wonder who's on. Will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations you received. Ah, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Thank you.
jackpot question in advance. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Oh, what are you doing, New Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Le garçon a trouvé sa religion. Il se passionne pour le Grand Larousse, enrichit son vocabulaire et attend avec impatience ses heures de solitude dévouées à la lecture. Dans les livres, il rencontre l'univers. Il a l'impression de dominer le monde, de, je cite, « mourir d'extase ». Sa mère s'inquiète de le voir se fatiguer les yeux, mais qu'importe. Lui sait qu'il est sur le point de découvrir le sens de l'existence. Peu à peu, l'adulte se souvient de l'enfant qui apprend le fonctionnement du monde, qui cherche à percer le mystère des relations humaines et qui veut surtout plaire à tout prix. Ma vérité, mon caractère et mon nom étaient aux mains des adultes. J'avais appris à me voir par leurs yeux. J'étais un enfant, ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets. Absent, ils laissaient derrière eux leur regard mêlé à la lumière. Je courais, je sautais à travers ce regard qui me conservait ma nature de petit-fils modèle, qui continuait à m'offrir mes jouets et l'univers. Dans mon joli bocal, dans mon âme, mes pensées tournaient. Chacun pouvait suivre leur manège, pas un coin d'ombre. Pourtant, sans mots, sans forme ni consistance, dilué dans cette innocente transparence, une transparente certitude gâchait tout. J'étais un imposteur. Elle se dénonçait d'elle-même les claires apparences ensoleillées qui composaient mon personnage, par un défaut d'être que je ne pouvais ni tout à fait comprendre, ni cesser de ressentir. Je me tournais vers les grandes personnes, je leur demandais de garantir mes mérites. C'était m'enfoncer dans l'imposture. Condamné à plaire, je me donnais des grâces qui se fanaient sur l'heure. Je traînais partout ma fausse bonhomie, mon importance désœuvrée, à l'affût d'une chance nouvelle. Je croyais la saisir, je me jetais dans une attitude et j'y retrouvais l'inconsistance que je voulais fuir. Mon grand-père somnolait, enveloppé dans son plaid. Sous sa moustache broussailleuse, j'apercevais la nudité rose de ses lèvres. C'était insupportable. Heureusement, ses lunettes glissaient. Je me précipitais pour les ramasser. Il se réveillait, m'enlevait dans ses bras, nous filions notre grande scène d'amour. Ce n'était plus ce que j'avais voulu. Qu'avais-je voulu? J'oubliais tout. Je faisais mon nid dans les buissons de sa barbe. J'entrais à la cuisine, je déclarais que je voulais secouer la salade. C'était des cris, des fous rires. « Non, mon chéri, pas comme ça. Serre bien fort ta petite main. Voilà. Marie, aide-le. Mais c'est qu'il fait ça très bien. » J'étais un faux enfant. Je tenais un faux panier à salade. Je sentais mes actes se changer en gestes. La comédie me dérobait le monde et les hommes. Je ne voyais que des rôles et des accessoires, servant par bouffonnerie les entreprises des adultes. Comment eussé-je pris au sérieux leurs soucis? Le pire, c'est que je les soupçonnais de cabotinage. Les mots qu'ils m'adressaient, c'étaient des bonbons, mais ils parlaient entre eux sur un tout autre ton. Et puis, il leur arrivait de rompre des contrats sacrés. Je faisais ma moue la plus adorable, celle dont j'étais le plus sûr, et on me disait d'une voix vraie « Va jouer plus loin, petit, nous causons ». D'autres fois, j'avais le sentiment qu'on se servait de moi. Ma mère m'emmenait au Luxembourg. L'oncle Émile, brouillé avec toute la famille, surgissait tout à coup. Il regardait sa sœur d'un air morose et lui disait sèchement « C'est pas pour toi que je suis ici, c'est pour voir le petit ». Il expliquait alors que j'étais le seul innocent de la famille. Je souriais, gêné par ma puissance et par l'amour que j'avais allumé dans le cœur de cet homme sombre, et restais entre leurs chaises en fer, oublié. On m'avait persuadé que nous étions créés pour nous donner la comédie. La comédie, je l'acceptais, mais j'exigeais d'en être le principal personnage. Or, à des instants de foudre qui me laissaient anéanti, je m'apercevais que j'y tenais un faux beau rôle, avec du texte, beaucoup de présence, mais pas de scène à moi. En un mot, que je donnais la réplique aux grandes personnes. J'étais la cause occasionnelle de leur discorde et de leur réconciliation. Je leur reflétais l'unité de la famille et ses antiques contradictions. Ils usaient de ma divine enfance pour devenir ce qu'ils étaient.
je vécus dans le malaise. Au moment où leur cérémonie me persuadait que rien n'existe sans raison et que chacun a sa place marquée dans l'univers, ma raison d'être à moi se dérobait. Je découvrais tout à coup que je comptais pour du beurre et j'avais honte de ma présence insolite dans ce monde en ordre. Sartre grandit et se découvre. Il commence à éprouver le dégoût de son corps, à saisir l'enjeu de la mort. On lui parle de Dieu, il a du mal à y croire. On lui parle de bonheur, il pense à disparaître, ne trouvant sa place nulle part. Voici le récit d'un épisode marquant de son enfance, quand son grand-père décide de faire de lui un homme. Mon grand-père s'agaçait de ma longue chevelure. « C'est un garçon, disait-il à ma mère, tu vas en faire une fille. Je ne veux pas que mon petit-fils devienne une poule mouillée. » Anne-Marie tenait bon. Elle eût aimé, je pense, que je fusse une fille pour de vrai. Avec quel bonheur elle eût comblé de bienfaits sa triste enfance ressuscitée. Le ciel ne l'ayant pas exaucée, elle s'arrangea. J'aurais le sexe des anges, indéterminé mais féminin sur les bords. Tendre, elle m'apprit la tendresse. Ma solitude fit le reste et m'écarta des jeux violents. Un jour, j'avais 7 ans, mon grand-père n'y tint plus. Il me prit par la main, annonçant qu'il m'emmenait en promenade. Mais à peine avions-nous tourné le coin de la rue, il me poussa chez le coiffeur en me disant « Nous allons faire une surprise à ta mère ». J'adorais les surprises, il y en avait tout le temps chez nous. Cachotterie amusée ou vertueuse, cadeaux inattendus, révélations théâtrales suivies d'embrassements, c'était le ton de notre vie et je regardais donc avec bienveillance mes boucles rouler le long de la serviette blanche qui me serrait le cou. Je revins glorieux et tondu. Il y eut des cris mais pas d'embrassements. Ma mère s'enferma dans sa chambre pour pleurer. On avait troqué sa fillette contre un garçonnet. Il y avait pis. Tant qu'elle voltigeait autour de mes oreilles, mes belles anglaises lui avaient permis de refuser l'évidence de ma laideur. Déjà pourtant, mon œil droit entrait dans le crépuscule. Il fallut qu'elle s'avoue la vérité. Mon grand-père semblait lui-même tout interdit. On lui avait confié sa petite merveille. Il avait rendu un crapaud. Ma mère eut la bonté de me cacher la cause de son chagrin. Je ne l'appris qu'à 12 ans, brutalement. Mais je me sentais mal dans ma peau. Les amis de ma famille me jetaient des regards soucieux ou perplexes que je surprenais souvent. Je connus les affres d'une actrice vieillissante. J'appris que d'autres pouvaient plaire. Un souvenir m'est resté un peu postérieur mais frappant. Madame Picard, une amie de la famille, était d'avis qu'un enfant peut tout lire. Un livre ne fait jamais de mal quand il est bien écrit. En sa présence, j'avais autrefois demandé la permission de lire Madame Bovary. Et ma mère avait pris sa voix trop musicale. « Mais si mon petit chéri lit ce genre de livre à son âge, qu'est-ce qu'il fera quand il sera grand ?»« Je les vivrai. » Cette réplique avait connu le succès le plus franc et le plus durable. Chaque fois qu'elle nous rendait visite, Madame Picard y faisait allusion et ma mère s'écriait, grondeuse et flattée, « Blanche, voulez-vous bien vous taire? Vous allez me le gâcher. » J'aimais et je méprisais cette vieille femme pâle et grasse, mon meilleur public. En novembre 1915, elle me fit cadeau d'un livret de cuir rouge doré sur tranche. Nous étions installés dans le cabinet de travail. Les femmes parlaient avec animation, un ton plus bas qu'en 1914, parce que c'était la guerre. Une sale brume jaune se collait aux fenêtres, ça sentait le tabac refroidi. J'ouvris le carnet et je fus d'abord déçu. J'espérais un roman. Sur des feuillets multicolores, je lus 20 fois le même questionnaire. « Remplis-le, me dit-elle, et fais-le remplir par tes petits amis, tu te prépareras de beaux souvenirs. » Je compris qu'on m'offrait une chance d'être merveilleux. Je tins à répondre sur l'heure. Je m'assis au bureau de mon grand-père, posai le carnet sur le buvard de son sous-main, pris son porte-plume à manches de galalite, le plongeai dans la bouteille d'encre rouge et me mis à écrire pendant que les grandes personnes échangeaient des regards amusés. Je m'étais d'un bond perché plus haut que mon âme pour faire la chasse aux réponses au-dessus de mon âge. Malheureusement, le questionnaire n'aidait pas. On m'interrogeait sur mes goûts et mes dégoûts. Quelle était ma couleur préférée, mon parfum favori? J'inventais sans entrain des prédilections quand l'occasion de briller se présenta. Quel est votre vœu le plus cher? Je répondis sans hésiter, être soldat et venger les morts. Puis, trop excité pour continuer, je sautai sur le sol et portai mon œuvre aux grandes personnes. Les regards s'aiguisèrent et les têtes se relevèrent ensemble. Ma mère avait rosi, Madame Picard me rendit le livre. « Tu sais, mon petit ami,
ce n'est intéressant que si l'on est sincère. Je crus mourir. Pour mon malheur, ces dames n'avaient personne au front. Le sublime militaire restait sans effet sur leurs âmes modérées. Je disparus, j'allais grimacer devant une glace. Quand je me les rappelle aujourd'hui, ces grimaces, je comprends qu'elles assuraient ma protection. Contre les fulgurantes décharges de la honte, je me défendais par un blocage musculaire. Le miroir m'était d'un grand secours. Je le chargeais de m'apprendre que j'étais un monstre. S'il y parvenait, mes aigres remords se changeaient en pitié. Je me faisais hideux pour renier les hommes. Le remède était pire que le mal. J'avais tenté de me réfugier dans ma vérité solitaire, mais je n'avais pas de vérité. Je ne trouvais en moi qu'une fadeur étonnée. La glace m'avait appris ce que je savais depuis toujours. J'étais horriblement naturel. Je ne m'en suis jamais remis. À défaut de s'aimer dans la vie réelle, le jeune Sartre choisit de vivre dans la fiction. Il découvre avec enthousiasme Michel Strogoff de Jules Verne et le chevalier Pardaillan. Ces personnages deviennent des camarades pour l'enfant solitaire qui se sent si différent des autres. Sartre ne parvient pas à nouer de lien avec les garçons de son âge. Le voici au Luxembourg, essayant de s'arracher à sa solitude. Sur les terrasses du Luxembourg, des enfants jouaient. Je m'approchais d'eux, ils me frôlaient sans me voir. Je les regardais avec des yeux de pauvres, comme ils étaient forts et rapides, comme ils étaient beaux. Devant ces héros de chair et d'os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir universel, ma musculature athlétique, mon adresse padassine. Je m'accotais à un arbre, j'attendais. Sur un mot du chef de la bande, brutalement jeté, « Avance, Pardaillan, c'est toi qui feras le prisonnier !» J'aurais abandonné mes privilèges. Même un rôle muet m'eût comblé. J'aurais accepté dans l'enthousiasme de faire un blessé sur une civière, un mort. L'occasion ne m'en fut jamais donnée. J'avais rencontré mes vrais juges, mes contemporains, mes pères, et leur indifférence me condamnait. Je n'en revenais pas de me découvrir par eux, un gringalet qui n'intéressait personne. Ma mère cachait mal son indignation. Cette grande et belle femme s'arrangeait fort bien de ma courte taille, et elle n'y voyait rien que de naturel. Les Schweitzer sont grands et les Sartres petits. Je tenais de mon père, voilà tout. Elle aimait que je fusse à 8 ans resté portatif et d'un maniement aisé. Mon format réduit passait à ses yeux pour un premier âge prolongé. Mais voyant que nul ne m'invitait à jouer, elle poussait l'amour jusqu'à deviner que je risquais de me prendre pour un nain et d'en souffrir. Pour me sauver du désespoir, elle feignait l'impatience. « Qu'est-ce que tu attends, gros benet ? Demande-leur s'ils veulent jouer avec toi. » Je secouais la tête. J'aurais accepté les besognes les plus basses. Je mettais mon orgueil à ne pas les solliciter. Elle désignait des dames qui tricotaient sur des fauteuils de fer. « Veux-tu que je parle à leur maman ?» Je la suppliais de n'en rien faire. Elle prenait ma main. Nous repartions. Nous allions d'arbre en arbre et de groupe en groupe, toujours implorant, toujours exclus. Au crépuscule, je retrouvais mon perchoir, les hauts lieux où soufflait l'esprit, mes songes. Je me vengeais de mes déconvenues par 6 mots d'enfant et le massacre de 100 reîtres. N'importe, ça ne tournait pas rond. Je fus sauvé par mon grand-père. Il me jeta sans le vouloir dans une imposture nouvelle qui changea ma vie. L'imposture a un nom, c'est l'écriture. J'ai cru être chargé de mission par mon grand-père. C'est-à-dire comme s'il m'avait commandé d'écrire. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, le pauvre homme. Ça représentait, si vous voulez, la forme de l'écriture. C'est-à-dire que je devais écrire, mais n'importe quoi, c'était pas précisé. Et il s'agissait surtout d'un commandement d'écrire, une forme qui cherche son contenu, comme on a dit de Victor Hugo. Non pas que je vais me comparer à lui, mais c'était bien ça. Alors, ce que j'écrivais à ce moment-là, c'est tout simplement que je recopiais à peu près les journaux illustrés que je lisais par ailleurs. Cette nouvelle occupation va redonner espoir au jeune Sartre. Le garçon s'y attelle avec passion, s'appliquant à bien user des mots et à se sentir écrivain. Nous sommes dans la seconde partie du livre, écrire. À peine eus-je commencé d'écrire, je posais ma main pour jubiler.
L'imposture était la même, mais j'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses. Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. C'était la réalisation de l'imaginaire. Prise au piège de la nomination, un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin s'introduisaient dans la salle à manger. Ils y demeuraient à jamais captifs, incorporés par les signes. Je crus avoir ancré mes rêves dans le monde par les grattements d'un bec d'acier. Je me fis donner un cahier, une bouteille d'encre violette. J'inscrivis sur la couverture « Cahier de roman ». Le premier que je menais à bout, je l'intitulais « Pour un papillon ». Un savant, sa fille, un jeune explorateur athlétique remontaient le cours de l'Amazone en quête d'un papillon précieux. L'argument, les personnages, le détail des aventures, le titre même, j'avais tout emprunté à un récit en images paru le trimestre précédent. Ce plagiat délibéré me délivrait de mes dernières inquiétudes. Tout était forcément vrai puisque je n'inventais rien. Me tenais-je pour un copiste? Non. Mais pour un auteur original, je retouchais, je rajeunissais. Je ne fus jamais tout à fait dupe de cette écriture automatique, mais le jeu me plaisait aussi pour lui-même. Fils unique, je pouvais y jouer seul. Par moments, j'arrêtais ma main, je feignais d'hésiter pour me sentir, front sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. J'adorais le plagiat d'ailleurs, par snobisme, et le poussais délibérément à l'extrême. Tout destinait cette activité nouvelle à n'être qu'une singerie de plus. Ma mère me prodiguait les encouragements. Elle introduisait les visiteurs dans la salle à manger pour qu'ils surprissent le jeune créateur à son pupitre d'écolier. Je feignais d'être trop absorbé pour sentir la présence de mes admirateurs. Ils se retiraient sur la pointe des pieds en murmurant que j'étais trop mignon, que c'était trop charmant. Mon oncle Émile me fit cadeau d'une petite machine à écrire dont je ne me servis pas. Madame Picard m'acheta une map monde pour que je puisse fixer sans risque d'erreur l'itinéraire de mes globe-trotteurs. Ma mère recopia mon second roman, Le Marchand de bananes, sur du papier glacé. On le fit circuler. Mamie elle-même m'encourageait. Au moins, disait-elle, il est sage. Il ne fait pas de bruit. Par bonheur, la consécration fut différée par le mécontentement de mon grand-père. Il n'avait jamais admis ce qu'il appelait mes mauvaises lectures. Quand ma mère lui annonça que j'avais commencé d'écrire, il fut d'abord enchanté, espérant, je suppose, une chronique de notre famille avec des observations piquantes et d'adorable naïveté. Il prit mon cahier, le feuilleta, fit la moue et quitta la salle à manger, outré de retrouver sous ma plume les bêtises de mes journaux favoris. Par la suite, il se désintéressera de mon œuvre. À peine toléré, passé sous silence, mes activités littéraires tombèrent dans une semi-clandestinité. Je les poursuivais néanmoins avec assiduité. Aux heures de récréation, le jeudi et le dimanche, aux vacances, et quand j'avais la chance d'être malade, dans mon lit. Je me rappelle les convalescences heureuses, un cahier noir à tranches rouges que je prenais et quittais comme une tapisserie. Mes romans me tenaient lieu de tout. Je suis né de l'écriture. Avant elle, il n'y avait qu'un jeu de miroir. Dès mon premier roman, je sus qu'un enfant s'était introduit dans le palais de glace. Écrivant, j'existais. J'échappais aux grandes personnes. Mais je n'existais que pour écrire. Et si je disais « moi », cela signifiait « moi qui écris ». N'importe, je connus la joie. L'enfant public se donna des rendez-vous privés. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Les mots s'envolent sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, qu'un peu d'air. Les mots s'envolent et retourne sans cesse à leur lieu de naissance, le silence. Alors laisse-moi te dire, dans un souffle, un soupir, qu'il n'y ait plus rien à craindre,
qu'il n'y ait plus rien à perdre, qu'il n'y ait plus rien à craindre, qu'il n'y ait plus rien à perdre. Écoute ma voix, elle résonne pour toi. Elle voyage depuis toujours pour te dire encore qu'il n'y ait plus rien à craindre, qu'il n'y ait plus rien à perdre, qu'il n'y ait plus rien à craindre, qu'il n'y ait plus rien à perdre. S'envole sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, qu'un peu d'air. Les mots s'envolent et retournent sans cesse à leur lieu de naissance, le silence. Sur ces cahiers, Sartre fait l'expérience de l'infini du langage. Par l'écriture, tout devient possible. Les mots lui donnent un pouvoir grandiose. Il peut faire vivre ou mourir ses personnages, les mettre en danger ou les secourir. Dès lors, écrire n'est plus seulement un passe-temps, c'est une vocation, il en est sûr. Le garçon décide que plus tard, il en fera son métier. Son grand-père le met en garde. Écrire n'a jamais fait vivre. Il devrait plutôt être professeur et écrire le dimanche. Mais Sartre grandit et l'envie de déchiffrer le monde se fait de plus en plus forte. Il découvre l'amitié, la souffrance, la fragilité des êtres et des choses, et soudain l'enfant disparaît pour faire place à l'adulte qui veut dire l'homme qu'il est devenu. Il y a plus de 20 ans, un soir qu'il traversait la place d'Italie, Giacometti fut renversé par une auto. Blessé, la jambe tordue, dans l'évanouissement lucide où il était tombé, il ressentit d'abord une espèce de joie. Enfin quelque chose m'arrive. Je connais son radicalisme. Il attendait le pire. Ce qu'il exaltait, c'était l'ordre menaçant des causes tout à coup démasqué. C'était fixé sur les lumières de la ville, sur les hommes, sur son propre corps plaqué dans la boue, le regard pétrifiant d'un cataclysme. J'admire cette volonté de tout accueillir. Si l'on aime les surprises, il faut les aimer jusque-là, jusqu'à ces rares fulgurations qui révèlent aux amateurs que la Terre n'est pas faite pour eux. À 10 ans, je prétendais n'aimer qu'elle. Chaque maillon de ma vie devait être imprévu, sentir la peinture fraîche. Je consentais d'avance aux contretemps, aux mésaventures, et pour être juste, il faut dire que je leur faisais bon visage. Un soir, l'électricité s'éteignit, une panne. On m'appela d'une autre pièce. J'avançais les bras écartés et j'allais donner de la tête contre un battant de porte si fort que je me cassais une dent. Cela m'amusa malgré la douleur. J'en ris. Comme Giacometti devait plus tard rire de sa jambe, mais pour des raisons diamétralement opposées. Puisque j'avais décidé d'avance que mon histoire aurait un dénouement heureux, l'imprévu ne pouvait être qu'un leurre. Je vis dans cette dent cassée un signe que je comprendrai plus tard. Les hasards n'existaient pas. Je n'avais affaire qu'à leur contrefaçon providentielle. Les journaux donnaient à croire que des forces éparses traînaient par les rues, fauchaient les petites gens. Moi, le prédestiné, je n'en rencontrerais pas. Peut-être perdrais-je un bras, une jambe, les deux yeux, mais tout était dans la manière. Mes infortunes ne seraient jamais que des épreuves, que des moyens de faire un livre. J'appris à supporter les chagrins et les maladies. J'y vis les prémices de ma mort triomphale, les degrés qu'elle taillait pour m'élever jusqu'à elle. Cette sollicitude un peu brutale ne me déplaisait pas, et j'avais à cœur de m'en montrer digne. Je tenais le pire pour la condition du meilleur. Mes fautes elles-mêmes servaient. À 10 ans, j'étais sûr de moi. Modeste, intolérable, je voyais dans mes déconfitures les conditions de ma victoire posthume. Aveugle ou cul-de-jatte, fourvoyé par mes erreurs, je gagnerais la guerre à force de perdre les batailles. Je m'arrangeais pour ressentir dans le mouvement de ma vie une irrésistible attraction qui me contraignait sans cesse, fût-ce en dépit de moi-même, à faire de nouveaux progrès.
je n'eus plus qu'une loi, grimper. Je voulais voir dans les affections de mon cœur un crépitement d'étincelles. On me disait souvent « le passé nous pousse ». Mais j'étais convaincu que l'avenir me tirait. J'avais fourré le progrès continu dans mon âme et j'en faisais un moteur à explosion. Je transformais un évolutionnisme tranquille en un catastrophisme révolutionnaire et discontinu. On m'a fait remarquer il y a quelques années que les personnages de mes pièces et de mes romans prennent leurs décisions brusquement et par crise, qu'il suffit d'un instant, par exemple, pour que l'Oreste des Mouches accomplisse sa conversion. Parbleu, c'est que je les ai fait à mon image. Non point tel que je suis, sans doute, mais tel que j'ai voulu être. Je devins traître et je le suis resté. J'ai beau me mettre entier dans ce que j'entreprends, me donner sans réserve au travail, à la colère, à l'amitié, dans un instant je me renierai. Je le sais, je le veux et je me trahis déjà, en pleine passion, par le pressentiment joyeux de ma trahison future. En gros, je tiens mes engagements comme un autre. Constant dans mes affections et dans ma conduite, je suis infidèle à mes émotions. Des monuments, des tableaux, des paysages, il fut un temps où le dernier vu était toujours le plus beau. Je mécontentais mes amis en évoquant dans le cynisme ou simplement dans la légèreté un souvenir commun qui pouvait leur rester précieux. Faute de m'aimer assez, j'ai fui en avant. Résultat, je m'aime encore moins. Cette inexorable progression me disqualifie sans cesse à mes yeux. Hier, j'ai mal agi puisque c'était hier, et je pressens aujourd'hui le jugement sévère que je porterai sur moi demain. Pas de promiscuité surtout, je tiens mon passé à distance respectueuse. L'adolescence, l'âge mûr, l'année même qui vient de s'écouler, ce sera toujours l'ancien régime. On me croit modeste et c'est tout le contraire. Je pense que je ferai mieux aujourd'hui et tellement mieux demain. Les écrivains d'âge mûr n'aiment pas qu'on les félicite avec trop de conviction de leur première œuvre, mais c'est à moi, j'en suis sûr, que ces compliments-là font le moins de plaisir. Mon meilleur livre, c'est celui que je suis en train d'écrire. Tout de suite après vient le dernier publié, mais je me prépare en douce à bientôt m'en dégoûter. Que les critiques le trouvent aujourd'hui mauvais, ils me blesseront peut-être, mais dans 6 mois, je ne serai pas loin de partager leur avis. À une condition pourtant, si pauvre et si nul qu'ils jugent cet ouvrage, je veux qu'il le mette au-dessus de tout ce que j'ai fait avant lui. Je consens que le lot soit déprécié en entier, pourvu qu'on maintienne la hiérarchie chronologique, la seule qui me conserve la chance de faire mieux demain, après-demain mieux encore, et de finir par un chef-d'œuvre. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Et pour conclure, voici les dernières lignes des mots. J'écris toujours, que faire d'autre? C'est mon habitude et puis c'est mon métier. Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée, à présent je connais notre impuissance.
N'importe. Je fais, je ferai des livres. Il en faut. Cela sert tout de même. La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Du reste, ce vieux bâtiment ruineux, mon imposture, c'est aussi mon caractère. On se défait d'une névrose, on ne se guérit pas de soi. Usé, effacé, humilié, rancogné, passé sous silence, tous les traits de l'enfant sont restés chez le quinquagénaire, mais Pardaillan m'habite encore, Estrogoff. Ce que j'aime en ma folie, c'est qu'elle m'a protégé du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne. Sans équipement, sans outillage, je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Ça peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Olivier Dupré à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki, Leila Kourou-Siliqua, Claire Tesser et Périne Malinge. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Et ça peut pas faire de mal. Merci à Guillaume Gallienne. Dans quelques instants, juste après le journal, eh bien, vous pourrez bien sûr retrouver, en tout cas, après le journal de 18h, vous pourrez bien sûr retrouver, je suis en train de vous dire des bêtises là, juste après le journal de 19h, 19h20, ce sera bien sûr, l'amuse-bouche avec Clara Dupont-Mono et puis ensuite ce sera Expression Directe.